Welcome to Princess Access, and I am with today Dr. Reinaldo Spech. And you are? I am the co-director of the African Diaspora International Film Festival, and which is in French, Le Festival International des Films de la Diaspora Africaine. Et vous êtes ici aujourd'hui pour? Le FMI, j'étais invité, moi et ma collègue, nous sommes ici pour discuter à propos de la participation du cinéma des Caraïbes dans nos activités et tout ce qui pourrait aider au développement de ce cinéma-là. Vous voyez beaucoup de films de la culture du Sud, comment pensez-vous que ça a évolué? Ça a évolué d'une façon intéressante. Je vous dis que notre travail avec ce cinéma-là a commencé à partir de ma thèse doctorale à l'Université de Columbia à New York. Une thèse qui mettait en face sur le cinéma de ce type-là dans les salles de classe afin de motiver les élèves à voir des images qui traitaient de leurs histoires. De ces faits, on avait au début une audience fondamentalement dans la salle de classe, mais après on a quitté la salle de classe momentanément. Et depuis 21 ans à New York, on continue à faire ces festivals. Aujourd'hui, le festival se passe à New York, à Washington DC, à Chicago et depuis 3 ans dans la ville de Paris. Et j'ai cru comprendre, c'est votre première participation féminine, n'est-ce pas? Oui, c'est une première pour nous, c'est une première heureuse parce que on a rencontré des vieux copains, pas en âge, mais... dans la longueur du temps, on a pu parler avec des personnes très 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 motivées par le travail qu'ils font et décidées à rendre un grand service à ce cinéma qui est un peu mal connu partout dans le monde. Je parle du cinéma de la Caraïbe, mais en général je parle de tout cinéma qui touche la phénoménologie des gens de couleur. Parce que vous recevez pas seulement des films de l'Afrique et de la Caraïbe, vous recevez aussi des films... Bon, comme notre travail est aussi large, nous recevons des films, enfin les soumissions viennent de partout, comme je disais, même de l'Australie. Et de ces faits, on a pu montrer, surtout aux New Yorkais, parce qu'on a commencé au début là-bas, une production assez intéressante, une production qui ne dépend pas de Hollywood pour exister.